Fait qu'un autre jour à l'île du Prince-Édouard. On a passé une belle nuit avec les maringouins. On n'a pas fourni à se mettre du stuff à mouche pour réussir à éloigner ça. Même à ça, ça n'a pas été facile. Fait que là, on est en train de se dégrayer. Adèle, elle va aller cueillir des coquillages. Fait qu'on va aller faire ça ensemble. Fait que moi, j'étais en train de me préparer pour débarquer la vanne sur les blocs parce qu'il y avait une petite pente. Fallait qu'on mette ça de niveau. On enlève notre rallonge électrique. Puis après ça, ben, on va aller marcher sur la plage. Après ça, aujourd'hui, c'est journée visite. On va aller visiter la maison de bouteilles. On va aller aussi à un musée qui me tient à cœur, le musée de la patate. Moi, j'aime ça des pétacles. Fait qu'on va aller voir ça. J'ai hâte de voir. On va sûrement rigoler. Et après ça, on s'en va sur la pointe nord, Nord Bay, je pense que ça s'appelle. On va aller voir le fort. Après ça, on remonte vers le côté centre-sud ou nord, je ne sais plus trop. En tout cas, on fait le tour de l'ouest vers l'est. Ça fait que dans le fond, on monte. On va aller sur le côté de l'Atlantique. On descend, puis après ça, on va être entre l'île du Prince-Édouard. L'île du Prince-Édouard, puis la Nouvelle-Écosse. Fait que c'est ça notre setup pour nos vacances. On se dégraye, puis après ça, on part à la cueillette des coquillages. Took some time. Now I just hope that you stay for a little while. Ouais, ben hier, si on aurait été un petit peu plus loin dans notre recherche de site pour passer la nuit tranquille, c'est clair qu'on aurait arrêté ici, mais je sais pas pourquoi on n'a pas persisté. Ça, dans le fond, ça se trouvait être un spot qu'on avait trouvé sur iOverlander, mais je sais pas pourquoi, on l'a pas essayé, mais on aurait tellement dû parce que c'est une belle petite place tranquille, là. Quand on en regarde, là, il y a comme plein de places partout. Puis il y a comme un petit chemin là, qui longe un petit peu la côte. C'est sûr que c'est un peu hasardeux, là, mais on aurait été sûrement capable de se rendre où c'est qu'on voulait sans se mettre trop en péril. Mais c'est notre faute. Fait qu'aujourd'hui, ben, on va regarder. Là, comme on voit ici, là, c'est un phare. Si on se trouve un autre petit phare, on peut-être aller voir un peu si on pourrait pas passer la soirée puis la nuit à côté. Ou les trucs aussi, c'est les quais ou les pêcheurs. Si en bas de personne, là, souvent, ils nous laissent passer la nuit sans problème. Faut juste justement pas s'étirer puis être low profile. Être respectueux, puis pas bordrer personne. Ça fait qu'on va peut-être essayer ça aujourd'hui, en voyant ce qu'on aurait pu avoir pour la nuit. Vraiment un site enchanteur, mettons qu'on pourrait dire. Ça fait qu'on continue à rouler, puis on va regarder, peut-être rester un petit peu plus alerte au spot.
puis au fur et à mesure qu'on avance la route, aller voir s'il n'y aurait pas une place qu'on pourrait pas passer la nuit. Fait qu'on continue à rouler, puis on s'en va au musée de la Pédac. De retour du musée de la Pétac. Juste rendre site, ça a été toute une péripétie. On a volontairement régressé au niveau technologique pour utiliser des cartes. Puis je dois vous dire que c'est très frustrant de pas savoir où c'est qu'on s'en va. Il faut qu'on se fie à une map de papier. Puis c'est pas nécessairement toujours évident au niveau des pancartes où c'est qu'on s'en va. Mais on a fini par y arriver. Puis l'intérieur du musée, c'est quand même intéressant. Là, pour quelqu'un qui aime les Pétac, j'en ai appris encore un petit peu sur les Pétac, malgré mes connaissances qui sont quand même assez générales. On a pu y pousser un petit peu plus. Puis là, ben, on retourne sa route pour aller je sais pas trop où. Là, c'est pas mal l'improvisation. Fait qu'on continue à rouler. Looking for a reason. Driven by the heart, fighting for a season, with sadness fall apart. Tell me not to worry, tell me to be strong, be my true.